ceux qui sont victimes d'injustice. Selon l'article 20 de notre constitution, là, la marche, là, c'est un droit. L'article 20 nous parle de la liberté d'association, de réunion et de manifestation pacifique. Je n'ai vu nulle part que ces camarades qui ont marché là étaient armés. Manifestation pacifique. Et les manifestations pacifiques ne sont pas soumises à autorisation. On le déclare, on informe les autorités qu'on va marcher. Si c'est des autorités qui travaillent bien, elles vous appellent, vous étudiez ensemble l'itinéraire et ils encadrent la marche. C'est tout. Ça aussi, ça fait partie de la liberté d'opinion et d'expression. On a le droit de dire que la vie est chère, on n'est pas d'accord. On a le droit de dire que les dévêtissements sont sauvages, on n'est pas d'accord. On a le droit de nous plaindre de ce que les gouvernants font qui ne sont pas bien. On a le droit de dire qu'on est étouffé, qu'on est asphyxié par la cherté de la vie. Pour ça, là, on n'a pas besoin de mettre quelqu'un en prison. Le problème avec notre pays, là, on ne respecte pas les lois. Et on prend même des lois anticonstitutionnelles. La Constitution dit qu'on est autorisé à marcher. Le Code pénal dit non, on n'est pas autorisé. Il faut forcément l'autorisation des autorités. Ce n'est pas sérieux. La Constitution est au-dessus de toutes les lois. Et nous, on utilise la loi pour brimer les citoyens. Quand le député, le maire de Iré a démissionné pour aller au PDCI, là, les gens sont allés manifester, ils l'ont menacé. Personne n'est sorti pour les mettre en prison. Ça dit qu'il y a deux catégories de citoyens en Côte d'Ivoire. Quand vous défendez les intérêts du RHDP, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, je dis bien tout. On a vu sur la toile des gens qui ont menacé ouvertement certaines personnes. Le procureur n'est pas sorti pour les interpeller. Mais quand c'est certains autres qui font ça, on les arrête. Il y a du deux poids, deux mesures avec la justice ivoirienne. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Et comme on n'est pas solidaire, les gens continuent. On a arrêté combien de personnes? Une trentaine. Vous pensez que si c'était des milliers qui étaient sortis, pourtant nous tous on se plaint de cherter de la ville, on allait arrêter qui pour laisser qui? Donc vraiment, j'en profite aussi pour interpeller le peuple. Quand on prend ce genre d'initiative là, c'est dans nous tous notre intérêt. En principe, on devrait participer. Et quand les gouvernants vont voir que le peuple est solidaire sur ses conditions de vie, ils seront obligés de prendre des décisions pour alléger la cherté de la vie. Mais quand vous restez chez vous et les autres luttent pour vous, on les attrape aussi, on ne vous voit pas. Ce n'est pas bien. Et c'est tout ça là qui leur donne la force de nous maltraiter. C'est pour ça qu'on dit que nous avons les dirigeants que nous méritons. Donc vraiment, réfléchissez bien. Il y a beaucoup d'autres manifestations qui sont en vue. Il faut que nous soyons solidaires. Tant que nous ne serons pas solidaires, ceux qui lancent ces manifestations seront arrêtés et nous, on va continuer à nous maltraiter de plus en plus. Ça nous permet d'aller encore sur cette affaire d'augmentation des prix au port. Même si on dit, c'est dans quel pays on est? La dernière fois, c'était le 17 septembre, mardi 17 septembre. On vous avait dit que le 5 septembre, il y a des coûts, des taxes qui ont augmenté au port, allant du 5 au millième. Comment on peut faire une augmentation aussi sauvage de 15 000 à 150 000? Le 18, eux-mêmes, ils ont retiré encore leur décision. Ce que nous voulons dire par rapport à tout ça, là, c'est que ça ne donne pas une bonne image de nos autorités. Parce qu'ils sont en train de montrer qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font. Normalement, là, avant de prendre une décision, on l'analyse avec tous les techniciens et on analyse aussi ses impacts avant de l'annoncer. Le 5, vous annoncez que vous augmentez les taxes, vous donnez des arguments, et le 18, ces arguments ne sont plus valables. On n'est pas contre le fait qu'on ait retiré, hein, c'est très bien, mais on est en train de dire que ça ne fait pas sérieux. Ça veut dire que vous prenez vos décisions sur de mauvaises bases, et vous vous rétractez sans honte. Ça a été la même chose pour l'exportation des produits vivriers. Le 15 janvier, on nous dit que oui, on interdit l'exportation des produits vivriers, parce qu'en saison sèche, les approvisionnements baissent et ceci et cela, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Saison sèche là n'est pas finie. Deux mois plus tard, on retire. Il faut que le gouvernement apprenne à travailler. Si vous ne savez pas travailler là, appelez-nous. Nous là, on a travaillé au Bénet, planification, aux décisions, tout ça là, on sait comment on fait pour prendre. On va venir vous aider. Parce que ce que vous faites là, ça fait honte. Aujourd'hui, vous dites quelque chose, demain vous dites autre chose, ça ne fait pas sérieux. Et ça montre que quand vous prenez votre décision là, vous ne pensez pas au peuple.
Quand le peuple se plaint, vous retirez. Si le peuple ne dit rien, ça reste. Il y a un problème. Il y a un problème. Si vous avez vraiment été élu, c'est le peuple qui vous a mis là. C'est au peuple que vous êtes redevable. Et c'est pour le peuple que vous travaillez. Vous ne pouvez pas prendre des décisions contre le peuple indéfiniment. Et c'est ce que vous multipliez, les décisions contre le peuple. On arrive, on a parlé tout à l'heure d'affaires de Bonon. Donc, on a appris aussi un détournement au PARU, le projet d'assainissement et de la résilience urbaine. Plus d'une centaine de millions. On dit même qu'il y a un qui est en cavale. Ça là, ça va arriver où? Plus que ça là, même les gens ont volé ici, on n'a rien dit. On nous annonce, les fuites font qu'on est informé. Mais après là, il n'y a plus de décision. Et c'est sur ce dossier-là, on attend la haute autorité de la bonne gouvernance. Elle n'a même pas honte, cette haute autorité, de venir nous dire que depuis qu'elle existe là, il y a encore 14% de ceux qui devaient déclarer leurs biens qui ne l'ont pas fait. Vous n'avez pas honte de venir nous dire ça. Si on était dans un pays normal là, tu n'as pas déclaré tes biens là, tu ne prends pas fonction. Et depuis vous existez là, vous allez venir dire oui, en 2023 on était à 83%, cette année on est à 86%, genre vous avez trop travaillé. C'est une situation qui ne devait même pas exister. Parce que les gens devaient déclarer leurs biens avant de prendre fonction. On l'a vu pour le président sénégalais, là, ça a été publié partout. Ce qu'il gagne, ses dettes, tout, il a tout mis sur la place publique. Franchement, respectez-vous. Si vous ne vous respectez pas là, respectez-nous. Parce qu'il ne faut pas donner des informations pour donner des informations. Vous-même là, vous vous trahissez dans votre mauvaise façon de travailler. Et c'est dommage. Et c'est tout ça là, on doit regarder pour voter en 2025. Vous qui votez, parce qu'on vous a donné pain, riz, huile là, ça doit cesser. Tu prends pain, tu prends riz, tu prends huile et puis après on vient casser ta maison. C'est tout ça là, il faut regarder pour voter en 2025. Les enlèvements continuent malheureusement. Cette semaine, on nous a annoncé qu'il y a un plan d'alerte pour les enfants qui a été mis sur pied. C'est très bien. Mais il n'y a pas que les enfants qu'on enlève. On enlève aussi les grandes personnes. Et les stratégies pour enlever les gens ont évolué. Je vous ai publié cette semaine le témoignage d'une blogueuse qui a été elle-même victime d'une tentative d'enlèvement. Si elle n'avait pas été vigilante, aujourd'hui, elle ne serait plus. Parce que quand on l'a giflée là, elle s'est levée, elle a commencé à courir. Si elle voulait jouer les femmes bizarres qui passent leur temps à pleurer là, on allait la tuer cadeau. Et puis, on n'allait même pas avoir son témoignage. Donc, faites attention. Particulièrement les livreurs. La dernière fois, on a vu, il y a un livreur qui a été violé par des homosexuels. Donc, tous ceux qui font des services à domicile là, faites attention. Les livreurs, faites attention. Mais même... tout le monde, faisons attention. Parce qu'ils sont partout. Il y a des chauffeurs de taxi qui sont complices. Non, ce n'est même pas une affaire de « on va forcément t'appeler pour un service ». C'est une affaire aussi de « si tu n'as pas la chance de tomber sur le mauvais taximètre, tu es foutu ». Les Warren là, vous voyez trois personnes dedans et puis ne pensez pas que la présence d'une femme est rassurante. Hein. Il y a des femmes qui sont complices de ça. Vous montez, vous êtes foutu. Donc vraiment, tous les matins, la prière avant de sortir. Par exemple, moi, ça, là, je ne sais même pas ce que je vais vous dire. Mais par rapport au gouvernement, le plan d'alerte, là, ça ne doit pas être pour les enfants seulement. Ça doit être pour tout le monde. Parce que c'est généralisé et c'est très grave. Et comme nous approchons d'une période électorale, on est en Afrique, où les crimes rituels, là, ça va se multiplier. Donc vraiment, faites attention. On va maintenant aller au ministère de la Santé. Où le mardi 17, c'est-à-dire mardi passé, le président de la République a eu une rencontre avec le ministre de la Santé et à l'ordre du jour, il y a eu le mauvais accueil dans les hôpitaux, les raquettes dans les hôpitaux, les salubrités dans les hôpitaux et l'absentéisme. Et c'est effectivement ces principaux mots-là qui gangrènent notre système de santé. Mauvais accueil là-même, ce n'est pas la peine. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai une connaissance qui avait son fils de 4 ans malade. Elle n'a pas mangé. Elle n'a pas fait manger l'enfant parce qu'elle se disait qu'arrivée là-bas, on pourrait faire des examens. Elle s'en va au CHU de Cocody, on ne la reçoit pas qu'à 13h. Et c'est à 13h maintenant, on lui dit d'aller dans un autre hôpital, sans même la référer à cet hôpital-là. Elle est partie au CHU de Trècheville, Dieu merci, là-bas, ils l'ont bien reçue. Vous voyez des choses comme ça? C'est quelle façon de travailler ça? La personne est arrivée chez vous à 6h. Si vous ne pouvez pas la recevoir, vous le lui dites. La personne attend qu'à 13h.
Il y a des gens, même, on leur parle mal. C'est tout ça, là, on met dans l'accueil, là. C'est un problème. Maintenant, on nous parle de raquettes. Raquettes, là, même, c'est grave. Et le personnel médical vend médicaments. Il y a des pharmacies dans les médicaments, dans les hôpitaux, hein. Mais les gens détournent les médicaments de certains patients, ils les revendent à d'autres patients, ça fait pitié. C'est pas normal, tout ça, là. Ça se fait dans les hôpitaux. Il y a quelqu'un aussi qui m'a dit qu'au service de cardiologie de Gagnoa, il arrive à 8h, on le reçoit à 16h. Finalement, non, on ne l'a pas reçu, il a fait parade, ils l'ont chassé. Mais parce que avant lui, il y a des gens qui arrivent après lui et qui entrent avant lui. Tout ça, là, ça est dans l'accueil, là. L'insalubrité, là, même, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Je ne vais même pas en parler parce qu'on est à une heure où certains mangent. Mais c'est pas la peine. L'absentéisme, c'est grave. Nous, là, on va arriver sur le sujet tout à l'heure qu'on va parler des enseignants. On voudrait que tous les fonctionnaires aient des primes. Et à notre sens, le vrai développement du pays, là, c'est basé sur l'enseignement et la santé. Donc, le personnel de santé et le personnel enseignant, là, ils devaient même être plus privilégiés que ceux qu'on privilégie. On privilégie les impôts, on privilégie le trésor. Mais ça ne les empêche pas de voler. Tout le monde sait comment ça se passe. Et c'est eux qui ont de grosses primes. Et ça ne les empêche pas de faire des détournements en dessous. Maintenant, ceux qui se sacrifient pour former les Ivoiriens, ceux qui se sacrifient pour soigner les Ivoiriens, c'est eux qui n'ont rien. Et ça fait qu'il y a beaucoup qui sont absents à leur poste. Et ça pose des préjudices aux populations. Il y en a qui ont leur poste à l'hôpital, ils sont dans les cliniques. Il y en a même là, ils sont partis passer le concours de santé là, parce qu'il n'y a pas de travail. Ce n'est pas par vocation, donc à la limite, ils s'en foutent. Chaque fois qu'ils peuvent s'absenter, ils s'absentent. Ils n'aiment pas leur travail. Ils sont là-bas par dépit. Et puis, ça ne va pas quelque part. Donc, le ministère de la Santé a pris des mesures très vigoureuses qui sont bonnes dans l'ensemble. Je dis dans l'ensemble parce qu'il y a des mesures là aussi, ils ont exagéré. Parce qu'on dit par exemple que les directeurs régionaux et les directeurs départementaux ne doivent plus participer à un atelier ou à un séminaire. Donc c'est pour rien qu'on organise les ateliers et les séminaires. Voilà, il y a un problème. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent plus participer. Non seulement ça participe du renforcement de leurs capacités, mais ça leur permet d'apporter aussi leur expertise sur les questions qui sont abordées. Tout ça, c'est le développement. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent plus participer. Ça là, c'est exagéré. On dit aussi qu'ils ne peuvent plus s'absenter. Mais l'absence là, ça fait partie aussi des règles administratives et c'est encadré. Il y a des conditions qui nécessitent l'absence qu'on a prévues dans la gestion des ressources humaines qui doivent pouvoir s'appliquer. On ne peut pas dire qu'ils ne peuvent plus s'absenter. Ça là aussi, c'est trop fort. Maintenant, on dit que si les DR doivent s'absenter, malgré l'autorisation du préfet, il faut que la Direction générale de la santé apporte son avis. Ça, il n'y a pas de problème. La Direction générale de la santé est libre de gérer son personnel comme elle veut. Mais là où on empiète sur les libertés, là, c'est là, nous, on n'est pas d'accord. L'absence doit être autorisée et c'est encadré. Donc ça, ce sont des abus. Mais pour le reste, vraiment, les décisions ont été très très bonnes, ont été vraiment bonnes. Plus de stagiaires dans les hôpitaux en dehors des élèves de l'INFAS. Ça, c'est tout à fait normal. Il faut que les élèves de l'INFAS, là, ils se fassent leurs armes. Parce que ce n'est pas tout le monde que la fonction publique embauche. Si la fonction publique peut les former en tant que stagiaires pour qu'ils aillent faire valoir leurs compétences ailleurs, c'est vraiment important. L'interdiction de racketter est très très importante. Donc, on demande maintenant que tout le monde aille payer tous les actes à la caisse centrale. Vous n'avez plus le droit de payer un médicament avec un infirmier tant que vous n'avez pas payé là-bas pour aller à la pharmacie. Les trucs de gré à gré, là, ça doit s'arrêter. Et vous devez pouvoir les signaler. Il y a un numéro vert. Nous, en Afrique, ici, là, on n'est pas habitué à utiliser les numéros verts. Tous les ministères ont leur numéro vert. Il faut appeler le numéro vert de la santé. Cherchez-le pour me donner. Le numéro vert de la santé, on va vous le donner tout à l'heure. J'ai oublié de le noter ici. Ensuite, je voudrais dénoncer le coût des césariennes. Il y a beaucoup de prestations, on dit c'est gratuit, on prend pour faire malin, alors que c'est faux. Je dis moi-même, ma fille, avant qu'elle n'ait ses 5 ans, là, quand on s'en va dans l'hôpital public, ben, nous autres, là, on n'a plus d'assurance, c'est dans l'hôpital public qu'on s'en va. On s'en va dans l'hôpital public, là, on paye. On dit c'est gratuit, là, c'est faux. Monsieur le ministre, les gens, là, ils vous mentent, on paye. Maintenant, césarienne,
On dit c'est gratuit. Oh, si vous savez les dépenses qu'il y a autour, non. D'abord même la chambre, on va payer 10 000 francs par jour. Ça là, je vous parle du chou de cocody. Parce que nos chou là, ça fonctionne maintenant comme clinique. Hein. Les gens se peignaient du chou d'engrais là, c'est pas là-bas seulement. C'est ça on appelle gratuité là. Maintenant pour libérer même l'enfant, on dit 80 000 matin, l'après-midi ça devient 130 000. Ça veut dire qu'on t'a dit 80 000 matin, si tu n'as pas payé en même temps là, tu t'en vas, tu reviens là, ça devient 130 000. J'ai une connaissance qui a vécu ça ce samedi 21 septembre, tout près là là. Donc, monsieur le directeur de cabinet, monsieur le ministre de la Santé, ceux qui les connaissent là, allez leur dire qu'il y a ça là aussi. Oh. Les actes qu'on dit être gratuits ne sont finalement pas gratuits et les coûts ne sont pas fixes. Il y a les prix du matin, il y a les prix de l'après-midi, il y a les prix du soir. Et ça, ça fatigue les usagers. Donc, à tous les usagers, je vous en supplie, numéro vert là, il n'y a pas de trace. Vous appelez le numéro vert pour la santé, c'est le 143. C'est gratuit. Vous appelez, vous dites au CHU de Cocody tel jour à telle heure, il y avait tel infirmier ou tel médecin, il m'a pris tout. Vous dites, vous donnez tous les détails. Quelqu'un ne va pas aller vous signaler. Ça ne les intéresse même pas de savoir qui a appelé ou pas. Quand c'est précis là, eux, ils s'en vont vérifier. Ne pensez pas qu'on va vous signaler ou vous exposer. Apprenez à utiliser les numéros verts. Même pour la vie chère, c'est pareil. Il y a un numéro vert du CNLVC. Partout les ministères là, chacun a son numéro vert. On va prendre la liste et puis la prochaine fois, on va vous donner la liste des numéros verts des ministères qui sont vraiment importants pour les populations. Là. On va vous envoyer ça, vous allez noter et puis vous allez utiliser ça. C'est très important.